cofondateur du studio de création digitale Chromio à Neuchâtel. Donc j'ai suivi le cours de motion design avec le logiciel After Effects. La formation s'est très bien passée. On a vraiment appris les bases du motion design et je pense que c'est des bases qui sont obligatoires pour après pouvoir travailler sur des projets de motion design. Alors, l'interaction était très bonne. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement ce système de partage d'écran où en fait on peut travailler de manière autonome sur un projet, enfin sur des exercices, et le formateur peut intervenir directement avec ce partage d'écran pour nous guider dans ce logiciel qui est assez vaste. Alors, elle était très bonne, cette interaction, parce qu'en fait, on vient de différents domaines, il y avait des graphistes, il y en a qui venaient plus du monde de la vidéo, et je pense que c'était intéressant de pouvoir aussi échanger, parce que ben voilà, on a après tous des points communs, c'est de pouvoir justement travailler sur de l'image animée. Alors après cette formation, j'ai pu directement appliquer les bases que j'ai appris à Cat School avec différents mandats que j'ai eu dans les différentes agences pour lesquelles j'ai travaillé. Et puis, assez rapidement, j'ai voulu créer ma propre structure pour pouvoir proposer, entre autres, des services de motion design. Donc, au studio Chromio, on travaille sur des mandats photographiques et vidéo. Du coup, en fait, avec le motion design, c'est un service évidemment supplémentaire qu'on peut proposer à notre clientèle. Je pense que le motion design est un élément vraiment indispensable à tout nouveau designer, car en fait, tous les projets vont maintenant plus vers le digital que vers le print, et c'est vraiment un élément essentiel pour l'avenir. Je conseille fortement cette formation de Motion Design After Effects, car je pense que c'est vraiment les bonnes bases pour pouvoir explorer un maximum le vaste monde du motion.